Le Salon national de la femme attire à chaque année plus de 25 000 visiteurs au Palais des congrès de Montréal. On y retrouve plus de 300 exposants qui touchent tous les domaines. Le Salon national de la femme revient pour une 12e année. Qu'est-ce qu'on peut retrouver de plus que les autres années ou quel genre de kiosque on retrouve? Cette année, ce qu'on retrouve de nouveau, on a la scène culinaire en collaboration avec Zest, où on a Daniel Vizina, Hugo Saint-Jacques et Martin Junot qui sont présents pour faire des démonstrations culinaires. On a une scène aussi, toncoiffeur.com, qui a des transformations. Et on a aussi sur la scène principale des designers québécois qui font les défilés de mode cette année. Donc, c'est sur nos trois scènes, on a vraiment essayé de mettre de la nouveauté. En fait, on retrouve de tout, autant la section mode et style, beauté, bien-être, voyage, loisirs, saveurs et passions. La gastronomie, c'est très populaire, j'imagine. Oui, ça attire énormément de visiteurs au niveau culinaire. Les gens sont de plus en plus à l'affût de ça, veulent des trucs, des conseils. Beaucoup de zones pour offrir vraiment une diversité aux femmes. J'imagine qu'il faut essayer de plaire à tout le monde. Oui, exactement. Répondre aux besoins de 7 à 77 ans, en fait. Là, on est au Salon international de la femme. Comment ça se déroule? Ça se déroule très, très bien. En fait, moi, je suis ici en tant qu'ambassadeur de la chaîne Zest et j'ai fait une présentation sur la scène, sur la cuisine responsable, faite pour éviter le gaspillage alimentaire. Sinon, on a le kiosque Zest ici. Les gens viennent s'abonner à la revue Zest. En même temps, on les informe sur les différentes plateformes. Est-ce que c'est votre premier Salon de la femme? C'est mon premier Salon de la femme. J'ai fait beaucoup de salons cette année, puis c'est mon info au Salon de la femme. Puis, je trouve que c'est un des beaux salons. Oui, les femmes sont gentilles, sont souriantes, sont contentes de me voir. Super bien. Pourquoi c'est important pour Mini d'être ici au Salon national de la femme? Et les femmes, ça représente environ 60-65% de notre clientèle. Donc, c'était très important aujourd'hui d'être ici. Puis, c'est quoi le modèle qu'on peut voir en arrière? Alors aujourd'hui, oui, on a apporté la nouvelle Mini Cabriolet dans une nouvelle couleur qui plaît énormément. Il y a beaucoup de femmes qui me font la remarque, elles trouvent la couleur superbe. Elle vient d'arriver, elle a un mois et demi, donc on en a profité pour la montrer ici aujourd'hui. Comment ça se déroule jusqu'à présent? Ça se passe bien. Il y a beaucoup de monde. Nous, on a beaucoup de monde aussi sur notre kiosque. Beaucoup de gens aussi essayent la Mini, s'assoient dedans, profitent un petit peu. C'est très bien pour nous.